be the plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the plan, that's what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wimbo E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment rallumer son PC qui ne s'allume plus. Alors, qui ne s'allume plus veut dire que quand vous appuyez sur le bouton ici de power, donc j'appuie dessus et je n'ai rien. Et j'ai ma batterie pourtant. J'ai ma batterie, voilà, vous voyez, donc ça ne s'allume pas quand j'appuie dessus. Voilà. Alors, la vidéo est faite justement pour vous expliquer comment rallumer son PC qui ne s'allume pas. Alors, je le dis avant, tout d'abord, ça ne marchera pas avec tous les PC. Mais si ça peut dépanner quelques personnes où ça fonctionnera, eh bien tant mieux, ma vidéo aura servi à quelque chose. Déjà, il faut vérifier le câble. Voir si votre câble est déjà en bon état, le câble d'alimentation. Voilà, donc regardez bien s'il n'a pas un problème. Voilà, ensuite, ce que vous devez faire aussi, c'est brancher votre câble. Vous branchez votre câble et ensuite vous essayez la prise. Vous essayez plusieurs prises à brancher sur plusieurs prises. Ça se pourrait que sur la prise sur laquelle vous avez l'habitude de brancher l'appareil, eh bien, ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, alors, vous essayez, avant de faire comme la vidéo, vous essayez déjà de brancher votre ordinateur. Si vous l'aviez mis de côté, vous le reprenez, vous prenez son câble d'alimentation, vous rebranchez, vous essayez plusieurs prises. Et donc, si ça ne fonctionne pas, on va passer à la deuxième solution. La deuxième solution, il faut enlever la batterie. Alors, vous refermez bien sûr votre ordinateur et ensuite vous retirez la batterie. Voilà. Alors moi, je retire ma batterie. Voilà. Comme ceci. Pourquoi on retire la batterie? Tout simplement parce que ça peut aussi venir de la batterie. Alors on va essayer voir si ça vient de la batterie. Une fois enlevé la batterie, on retourne l'ordinateur à l'endroit. Voilà. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait rien de branché sur les ports USB, clé USB, disque dur. Tout ce qui est connecté en dehors de l'ordinateur, c'est-à-dire tout ce qui est connexion externe, on débranche tout. On ne laisse rien du tout. D'accord? Alors, cette astuce a marché pour moi. Elle a fonctionné. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Comme je me répète, elle ne pourra pas fonctionner pour tout le monde, c'est certain. Mais c'est les seules solutions qu'il peut y avoir. Sinon, si au bout et à la fin de cette vidéo, cela ne fonctionne pas, eh bien, la seule solution, c'est de l'emmener chez le réparateur. Allez vous renseigner, faire un devis. Si le devis est trop cher par rapport à l'ordinateur, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit la réparation. Le mieux, c'est d'en acheter un autre. Voilà. Je suis désolé pour ceux que ça n'arrivera pas à marcher après ces étapes. Alors, maintenant qu'on a débranché le câble d'alimentation, vous avez vérifié que le câble d'alimentation est en bon état, vous l'avez rebranché, réessayé plusieurs prises, ok, ça fonctionne pas. On a retiré tous les lecteurs externes sur l'ordinateur, on a retiré la batterie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va l'ouvrir. Voilà, on l'ouvre. Et ensuite, on va appuyer, étant donné qu'on a enlevé la batterie, enlevé le câble et enlevé les lecteurs USB externes, on appuie longuement pendant au moins 30 secondes à une minute. Longuement, pourquoi? Parce qu'en fait, quand il ne se rallume plus, vous avez quand même de l'électricité dans les composants. Et ça peut faire un blocage, donc
C'est ce qui peut faire le blocage. Et donc là, en faisant comme ça, en restant appuyé avec la batterie enlevée, les lecteurs USB enlevés et le câble secteur enlevé, on est en train de vider complètement l'électricité des composants. Voilà. Donc on reste pendant 30 secondes à une minute pour être sûr qu'on a fait assez longtemps. On fait ceci. Alors là, ça fait à peu près 30 secondes que j'y suis. Je vais y rester encore un peu. Donc là, je relâche. Bien sûr, il ne va pas s'allumer puisque j'ai rien de branché, ni la batterie, ni la prise d'alimentation. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rebrancher. Vous rebranchez le câble à l'ordinateur. Et ensuite, vous le branchez à la prise d'alimentation. Bien sûr, une prise d'alimentation qui fonctionne. Vous êtes sûr qu'elle fonctionne. Donc, on va le brancher. Voilà, moi j'ai branché. Alors, bien sûr, dans cette vidéo, mon ordinateur, lui, il fonctionne. Mais je vous assure, et je vous mens pas, j'aime pas mentir parce que ça sert à rien. Et je fais pas des vidéos pour faire des vues. Je fais des vidéos pour justement aider aux personnes qui ont des problèmes avec leurs ordinateurs. Voilà, leur PC. Dans mes connaissances. Voilà, tout ce que je connais, je le publie sur YouTube pour aider les gens. Voilà. Donc je ne mens pas, vous voyez, je vous dis, mon ordinateur, il fonctionne. Mais c'est la solution pour dépanner et refaire fonctionner un PC qui ne s'allume plus. Voilà, vous pensiez qu'il était mort, vous ne voulez pas l'amener parce que vous avez peur de la facture chez le réparateur, mais avant de l'amener chez le réparateur, ça coûte rien de tenter cette solution qui pourrait justement vous surprendre à quelques-uns. Bien sûr, je le dis et je le répète, ça ne pourra pas marcher sur tous les PC et pour tout le monde. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait toutes les étapes, enlever la batterie, enlever le câble d'alimentation, enlever les clés USB, tout ce qui est lecteur extérieur, externe, on a appuyé longuement sur la touche marche arrêt pendant 30 secondes à 1 minute. Maintenant, vous le redémarrez. Vous essayez de le redémarrer avec le câble d'alimentation. Bien sûr, le mien va redémarrer parce qu'il fonctionne. Mais celui-ci, je l'ai dépanné comme ça. C'est pour ça que je me suis rappelé de cette solution. Et c'est pour ça que je vous le présente. Voilà. Donc, bien sûr, il redémarre. Alors ensuite, si ça ne démarre pas, il y a une autre solution. Et c'est, je pense, la dernière solution. En mes connaissances, c'est, alors je vais éteindre mon ordinateur. Alors, dernière solution, si c'est un ancien ordinateur, s'il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a peut-être une chose que vous n'avez pas fait et que l'on ne fait pas et que l'on ne pense pas à faire, c'est vous fermez votre ordinateur, vous débranchez le secteur, le câble d'alimentation, vous le retournez et vous allez passer un petit peu de bricolage, c'est-à-dire démonter ici. Vous allez démonter le compartiment, tout ça là, tout le compartiment, de l'enlever et ensuite de souffler les composants, c'est-à-dire enlever toutes les poussières, parce que des poussières peuvent faire faux contact, c'est-à-dire, en fait, elles peuvent empêcher le câble d'envoyer de l'électricité, le câble d'alimentation, elle peut empêcher le câble d'alimentation d'envoyer de l'électricité dans les composants. Et bien sûr, une poussière peut empêcher tout cela. Voilà. Donc ça, c'était les 3-4 étapes essentielles pour essayer de faire démarrer un ordinateur. Comme je vous le répète, je ne pourrais pas faire quoi que ce soit si ça ne fonctionne pas pour vous. Mais au moins essayez cette solution. Elle a marché pour moi, je vous assure, je ne mens pas. J'espère que vous me faites confiance à ce niveau-là. Je ne perdrai pas mon temps justement à faire cette vidéo si ça ne fonctionnait pas. Mais j'en suis certain que sur certaines personnes, ça fonctionnera. Voilà.
Alors, comme je vous ai dit, après, si tout ça ne fonctionne pas, vous démontez ici un temps perdu. Si un jour, vous ne savez pas quoi faire, vous vous ennuyez, vous prenez un tournevis, hop, vous dévissez toutes les vis qu'il y a autour. À la rigueur, vous enlevez même le cache ici, voir s'il n'y a pas de la poussière. Le cache du disque dur, voir s'il n'y a pas de la poussière. Voilà. Même s'il le faut, vous démontez ici, vous enlevez le disque dur, vous le remettez. Qui sait que peut-être ça sera l'origine de la panne. Voilà. Ici aussi, peut-être que au niveau des barrettes de mémoire, il y aura peut-être de la poussière aussi. Voilà. Donc, c'était Windru E-Tech. J'espère avoir des retours positifs sur cette vidéo. Si vous en avez des positives ou négatives, faites-me le savoir, s'il vous plaît. Je serais ravi au moins que ça ait dépanné des personnes. Et bien sûr, ça ne pourra pas dépanner tout le monde. Si vraiment il est mort, on ne peut rien y faire. Là, je ne peux rien y faire à part vous conseiller de l'amener chez le réparateur si vous tenez à l'ordinateur. Voilà. Donc, c'était Windru E-Tech. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et plus vous serez d'abonnés, et plus je pourrai y mettre du contenu intéressant. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.